La réunion qui se tient avec les parlementaires européens est extrêmement importante, stratégiquement, symboliquement, pour représenter toute l'Europe, tous les pays du monde libre européen qui soutiennent la résistance iranienne. Je crois que un des points très importants, c'est de montrer que les pays européens s'expriment d'une seule et même voix. Parce que ce qu'il y a de plus incroyable, de plus extravagant, de plus invraisemblable quand on parle de l'Iran, c'est que dans certains médias, y compris dans l'attitude de certains gouvernements, on fait comme s'il pouvait y avoir hésitation, comme s'il pouvait y avoir débat. On qualifie le régime des mollahs de régime modéré dans des journaux français. C'est alors qu'il n'y a pas de débat possible. On sait que cet État, indiscutablement, comme cela a été sanctionné par l'ONU, par Amnesty International, par un tas d'organismes internationaux, l'Iran est aujourd'hui une dictature, c'est un État terroriste, c'est un État corrompu, c'est un État qui applique la peine de mort sans jugement, c'est un État qui bafoue les droits de l'homme, c'est un État qui déshonore la condition de la femme, c'est un État qui pratique la torture physique et psychologique. Donc, il ne peut pas y avoir la moindre hésitation pour qualifier les actes de cet État barbare qu'il faut impérativement chasser. Alors, la reconnaissance de la résistance iranienne et le rôle indiscutable, charismatique de Madame Maryam Rajavi est également très important dans la reconnaissance qui a été faite par les parlementaires européens. Maryam Rajavi a présenté un programme politique en 10 points et il y a 3 points qui sont absolument essentiels dans ses propositions. Tout d'abord, la défense des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est une valeur universelle. On a parfois l'habitude de dire que la France est la patrie des droits de l'homme, donc tous les Français doivent se sentir concernés quand la résistance iranienne se bat pour établir les droits de l'homme en Iran. Deuxièmement, il y a le principe de faire valoir les sanctions économiques. Ces sanctions économiques sont justifiées, elles sont indispensables. Sur l'accord nucléaire, les mollahs ont menti, ils ont triché, ils ont fait du chantage. Donc ces sanctions doivent s'appliquer et mettre le régime iranien dans une situation qui les pousse au départ. Et puis, le troisième point, c'est la reconnaissance de la résistance iranienne. La résistance iranienne, c'est un combat qui dure depuis des années avec des hommes et des femmes qui sont solidaires, dont la famille, dont eux-mêmes ont connu les sévices et les tortures du régime iranien. C'est une alternative. C'est l'alternative démocratique. Il y a d'un côté une dictature qui ne reconnaît aucun droit, qui ne reconnaît pas la démocratie, et il y a l'alternative démocratique qui consiste à dire c'est aux Iraniens, c'est aux citoyens iraniens de choisir leur destin par un vote libre, organisé, et qui doit voir la victoire de la résistance iranienne.